Et bien, bien, on a fait un entraînement hier, voilà, on va monter petit à petit en puissance et demain, déjà veille de match, on va préparer correctement ce match. Et pour le deuxième match contre le Sénégal, ça sera une grande affiche contre le champion d'Afrique en titre et la championne 2019. Comment se présente ce match? Ce sera un beau match test pour voir réellement contre des équipes comme ça à quel niveau on est, comment on devra progresser, comment on devra avancer pour être prêt pour cette CAN. Justement, d'ailleurs, vous avez réussi une belle début de saison avec 4 clean sheets. Justement, quel est le secret de votre un mot sur votre début de saison? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de secret. Voilà, le secret, c'est le travail. Ça se passe bien, on est très content, on prend énormément de plaisir aux entraînements et même aux matchs. Il y a une belle cohésion, tout le monde s'entend bien, on bosse super bien. Donc voilà, le coach a fait un bon boulot, il a mis son grain tactique et nous, on a essayé et tout fait pour répondre présent avec ça. Justement sur la concurrence en équipe nationale, on avait Montoya titulaire, des fois Mustapha Zirba. Comment est la concurrence et est-ce que vous fixez pour être le numéro 1 devant la Coupe d'Afrique prochaine ou qui reste peut-être d'actifs face? Écoutez, la concurrence est très très bonne, elle est saine, ça se passe très bien, on travaille très bien ensemble. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, si le coach me fait jouer, je ferai tout pour être bon. S'il décide de faire jouer Mustapha, je respecterai son choix et j'accompagnerai Mustapha de la meilleure manière possible. Bah, déjà, quand on a joué contre la Tunisie, c'était incroyable. Le stade était plein, donc si on revit encore une ambiance comme celle-là, bah, voilà, ce sera magnifique. C'est que des bons moments pour prendre du plaisir et mettre notre meilleur football en place.